Venir ici rencontrer ces épaves, c'est en même temps remonter dans l'histoire, dans leur histoire, et peut-être témoigner du respect et de l'importance que ces outils de travail exceptionnels ont pu avoir pour la population locale. Il y a une grande proximité d'histoire entre ces épaves et les gens qui fréquentent le site, là, qui viennent peut-être se recueillir un peu sur un endroit qui a été investi par leurs parents, leur grand-père, leur père, avant, grâce à ces bateaux. Les gens d'ici donc peuvent continuer à se souvenir des bons moments qu'ils ont passés à bord ou que leur famille a passé à bord, puisque ça a été quand même à la fois un outil de travail, mais comme tous les marins, ils étaient amoureux de leur bateau. Non seulement les marins gagnaient leur vie, mais en plus, leurs femmes, leurs filles, leurs mères venaient travailler dans les usines qui traitaient ces poissons-là. En fait, on est simplement là dans une tradition maritime bien connue qui est que les marins doivent pouvoir continuer à accompagner leur bateau, leur sauvegarde, puisque c'est grâce à eux qu'ils sont restés en vie. Donc ils peuvent continuer à les voir, à les toucher et à faire partager ça aussi à leurs enfants et petits-enfants. Alors, bien malheureusement, il y a des gens qui ont trouvé des arguments pour s'opposer au maintien de ces épaves sur le site, comme celle de laisser entendre qu'elles sont menaçantes ou dangereuses pour les enfants. Quand on pense aux centaines d'enfants qui ont joué pendant des années à cet endroit, on se dit, mais quelles sont les statistiques qui pourraient attester qu'effectivement elles sont dangereuses. Elles sont surtout gênantes pour des gens qui souhaiteraient ici implanter de nouvelles industries nautiques ou autres. Parmi les moments difficiles qui ont émaillé l'histoire de l'association, et il y a eu un moment très fort, celui où, alertés par des amis, nous avons dû intervenir pour empêcher la destruction des épaves par 3 ou 4 énormes bulldozers qui étaient
mandaté par la municipalité pour les détruire. Et quand nous sommes arrivés là, donc le seul moyen qui nous est apparu possible pour enrayer l'opération, ça a été de placer nos véhicules personnels en travers du passage que devaient emprunter les bulldozers pour venir détruire les épaves. Quelle est la pérennité de notre victoire, entre guillemets? On est bien en peine de le dire. Pour l'instant, l'association va continuer à ouvrir l'œil pour protester à chaque fois qu'il semblera qu'on est de nouveau en tête de nettoyer le site. Et je pense que grand nombre des habitués et des amoureux du site seraient prêts de nouveau à se mobiliser s'il le fallait.